Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble un petit peu ici comment réaliser des reels le plus professionnel possible pour Instagram. On va voir plusieurs choses ensemble. On va voir comment réaliser des reels avec différents écrans. On va voir avec 3, 4, 5 écrans. On va créer des modèles sur Photoshop qu'on va utiliser ensuite sur le logiciel Premiere Pro. On va voir aussi bien entendu comment créer un reel avec une seule vidéo. Et comment on va l'exporter pour qu'il y ait la meilleure qualité possible, le bon compromis entre le poids de ton fichier, la qualité de ton fichier et que tu puisses l'importer facilement sur Instagram ensuite. On va voir aussi un petit peu comment créer des stories esthétiques aussi avec plusieurs écrans. Je te montrerai que c'est très facile de le faire directement avec l'application Instagram ou aussi on va utiliser les modèles qu'on va créer sur Photoshop et ensuite sur Photoshop aussi, on va faire nos montages photos. C'est parti! Alors, on le sait, oui, Instagram demande de plus en plus à partager de la vidéo. Pourquoi ? C'est très simple. Ils souhaitent forcément concurrencer TikTok. J'ai fait plusieurs posts dessus où j'ai eu plusieurs coups de gueule. Ça a pas mal fonctionné. Les gens étaient assez d'accord avec moi, surtout les photographes, parce qu'aujourd'hui, partager de la photo, c'est de plus en plus compliqué. N'hésite pas à aller regarder ces deux posts, un post photo et une vidéo un peu marrante sur Instagram que j'ai partagé. Mais aujourd'hui, voilà, on est obligé de se lancer forcément dans la vidéo. Pour moi, je suis aussi vidéaste, donc je le vois plutôt comme quelque chose de positif. Ça me permet de me relancer aussi pour partager du contenu vidéo. Il faut s'adapter. Tu peux utiliser aussi la vidéo pour partager de la photo. Pour moi, c'est un petit peu plus contraignant. Je pars du principe qu'une photo, c'est quelque chose de statique, figé. On a envie de l'apprécier, de pouvoir zoomer dedans via Instagram. Bref, malheureusement, si on veut continuer à exister sur ce réseau social-là, il va falloir se lancer dans les reels, chose que tout le monde fait. Donc, on va voir ça ensemble et on va voir comment on va réaliser des très beaux reels avec des belles images que tu aurais filmées juste avant. Alors, première chose, on va aller sur Photoshop, on va créer des modèles et tu vas voir à quoi ils vont nous servir ensuite. Ces modèles, ils sont déjà tout prêts. Tu peux les télécharger en dessous dans la description, donc n'hésite pas à aller les voir. Maintenant, je vais te montrer comment les créer parce que c'est aussi intéressant de savoir et tu vas voir aussi que tu vas pouvoir après les modifier. Là, on va créer 3, 4 ou 5 écrans tout simplement sur un fichier JPEG qu'on va ensuite exporter et importer dans Premiere Pro. Donc, quand tu te retrouves sur le logiciel Photoshop, ici, tu vois, sur la droite, on va avoir les paramètres pour créer notre séquence. Alors, ce qui est très important, c'est que sur notre téléphone portable, on est en 1080 horizontalement sur du 1920 en hauteur, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on va utiliser comme ratio ici en pixels pour pouvoir créer ce fichier-là. En gros, c'est comme un fichier vidéo 16:9 que tu as donc horizontalement que tu mets verticalement, tout simplement. Donc là, on est bien, on a choisi bien pixels. En largeur, donc horizontalement, on va mettre 1080 et en hauteur, on va mettre 1920. Résolution 72 ou 300, moi je mets souvent 300, mais bon, ici là, on est sur un fichier où peu importe la qualité, on s'en fiche un petit peu puisque ce fichier va tout simplement nous servir de base derrière nos images et ensuite va disparaître. Là, on est bon, on va faire un fond blanc tout simplement, pixel carré, ok, créer. Donc là, tu vois bien qu'on a un fichier vertical qui correspond à tout simplement l'écran de notre téléphone. Donc là, le but, c'est qu'ensuite, on va vouloir mettre plusieurs fichiers vidéo ou photos par-dessus horizontalement. Mais on ne sait pas trop où on va les mettre, on n'a pas de repère pour savoir, bah, pour qu'ils aient la même hauteur, etc., la même taille. Donc, on va créer des repères. Tout ça, c'est très simple. On va aller tout en haut dans Affichage et on va aller dans Nouveaux repères. Là, je vais prendre mon téléphone et je vais calculer. Je vais te montrer. On part sur, on va dire ici, on va créer un fichier avec 4 écrans. Mais ça va être le même principe avec 5, avec 3, avec 12 écrans, ce que tu veux. Donc, si on veut 4 écrans, on va devoir donc le diviser en 4. On va prendre notre calculatrice et on va faire donc 1920, c'est la hauteur, 1920 divisé par 4 égale 480. Donc là ici, on va cliquer donc sur horizontalement, on va mettre 480 et on va mettre OK. Et là, on a notre premier repère. Maintenant, on veut notre deuxième repère, affichage, on retourne, nouveau repère, cette fois-ci 480 plus 480, 960. OK, affichage encore une fois, nouveau repère, 960 plus 480.
1440. Et donc là, on a donc, tu vois bien, nos quatre écrans en soi. Et donc, on va pouvoir ensuite utiliser ça pour tout simplement mettre bien nos fichiers vidéo dedans et qu'on n'ait pas de fichiers qui ont une taille différente. Maintenant là, on a juste des repères, mais qui n'existent pas si on sauvegarde le fichier. Si on sauvegarde le fichier, il est tout blanc. Donc, on va créer des petits traits. Sur la gauche ici, tu as l'outil trait qu'on va utiliser. On va le mettre à 4px, ça suffit, en noir, voilà, quand on s'en fout, juste un trait tout noir. Et là, on va tendre un trait comme ceci, un trait comme ceci, et ici aussi. Maintenant, pour vérifier qu'on a bien nos traits, parce qu'ils ne sont pas très épais, on va aller dans affichage, on va faire effacer les repères. Et là, on voit bien qu'on a nos trois traits, et donc nos quatre espaces pour pouvoir mettre nos fichiers ensuite en post-production. Donc là, c'est terminé. Même principe, si tu veux faire 5 écrans, tu vas faire 1920 divisé par 5 et tu vas additionner à chaque fois 1920 divisé par 3, 1920 divisé par 12, peu importe, et tu vas créer tes repères comme ceci. Maintenant, ce fichier, on va faire fichier, exportation, exporter sous. Là, en haut à droite, on est bien un fichier JPEG. Qualité, peu importe la qualité ici de ton fichier puisque c'est un fichier juste de base qui va disparaître derrière. Donc, on s'en fiche, mais bon, moi, je mets au maximum comme ça, on l'a. Là, on ne touche à rien, on a tout ce qu'il faut, exporter. Ok, moi, mon fichier est déjà exporté, donc c'est très bien. Maintenant qu'on a ce fichier-là, on va aller directement. Je vais te montrer premièrement déjà sur Photoshop, on reste ici, comment on va faire avec des photos. Si on veut créer une story avec plusieurs triptyques comme ça, etc. Et ensuite, donc, on va aller voir sur Premiere Pro comment on va le faire en vidéo. Mais c'est exactement le même principe. Maintenant, je vais te montrer comment, tout simplement, avant de le faire avec Photoshop, on peut le faire aussi très simplement avec Instagram. Donc là, on ne pourra pas faire 4 écrans comme ceci, mais on va pouvoir faire 3 écrans, ce qui est déjà très très bien en story. C'est ce que j'utilise tout le temps. Donc, tu vas dans tes stories Instagram et là, tu vas voir. Au milieu à droite, tu as un petit carré. Tu cliques dessus et en dessous, tu as la possibilité de changer les carrés. Donc, tu cliques sur « Change Grind », donc moi, il est en anglais. Et ici, on te propose différentes solutions pour pouvoir créer des stories. Donc là, la première, tu vois, on te propose 4 écrans comme ceci. Et celui juste en dessous, ça te permet d'avoir 3 écrans et donc de créer exactement, plus ou moins, le même type de triptyque qu'on peut avoir ici. Là, maintenant, tout simplement, en bas à gauche, tu vas pouvoir importer tes fichiers. Donc là, peu importe, hein, je vais prendre une image horizontale là, une autre image horizontale là et une autre image, peu importe, celle-ci. Et voilà, là je me retrouve avec mon triptyque qui est prêt, directement fait sur Instagram sans être passé par un autre logiciel. Je valide en bas. Ce que je peux faire, c'est soit le partager directement sur Instagram, soit les trois petits points en haut à droite, tu cliques sur Save, sauvegarder, et ça te sauvegarde ton fichier dans ton téléphone si tu veux le préparer à l'avance pour le partager plus tard. Donc ça, c'est la première astuce ultra simple qu'on peut faire tout simplement avec son téléphone. Maintenant, on va voir sur Photoshop comment le faire si tu veux le faire, par exemple, avec 4 écrans, chose que tu ne peux pas faire ici sur Instagram. Donc, faire fichier, ouvrir, je vais importer 4 photos que j'aurais choisies au préalable. Exemple en photo, donc je sais que j'avais choisi ça pour te montrer. Et là aussi, tu vas voir que esthétiquement, c'est important. Donc là, on va mettre OK, OK, OK. C'est important de respecter quelque chose et je vais te l'expliquer très simplement maintenant. Donc là, on a 4 photos. On a 2 photos au drone et on a 2 photos portraits que j'ai fait au flash dans les tribus Mentawai à Sumatra et qui sont des images un petit peu sombres. Donc là, j'ai choisi ces images-là avec... c'est un choix très particulier. J'ai 2 images plus ou moins identiques, assez sombres dans le contexte, et j'ai 2 images drone qui sont assez claires avec du bleu. OK ? Pourquoi ? Donc là, en bas à droite, je vais double-cliquer pour enlever le petit cadenas et déplacer ma photo. Donc, je vais prendre ma photo, je vais la faire glisser ici dans mon fichier qu'on a créé. Commande T, je vais pouvoir modifier la taille de mon fichier. Donc là, regarde, on modifie, je vais le mettre à la taille tout simplement ici. Je vais mettre, là j'aimerais bien le cadrer un petit peu comme ça, celui-ci. OK. Maintenant, je vais prendre un deuxième fichier. Cette fois-ci, je vais prendre... pas le fichier drone, je vais prendre un fichier différent, le fichier sombre que j'ai ici. OK. Faire glisser là. Commande T. Alors moi, ce que je vais préférer peut-être, c'est mettre ce fichier en haut d'abord. Bon, là, c'est juste un choix personnel. Choix plus, on va dire, plus important
les portraits que les paysages pour moi. Donc on va faire ça comme ça. Ok, l'autre, je vais le faire glisser juste en dessous. Hop, cliquer sur l'autre, faire glisser juste en dessous. Et je vais te montrer maintenant un petit peu, parce que là, tu vois qu'en fait, on ne respecte pas le cadrage qu'on a créé derrière. Je vais te montrer comment faire. Donc là, tout simplement, en bas à droite, tu as l'opacité de ta photo. On va réduire l'opacité de nos photos un petit peu, cliquer sur les deux, pour pouvoir faire apparaître, en fait, là où s'arrête la photo par-dessus l'autre et aussi les traits qu'on a créés. D'accord ? Donc là, par exemple, sur celui-ci, tu vois, je ne vois pas trop le trait. Voilà, là, je le vois mieux. J'ai besoin de cadrer ma photo, mais en même temps, tu vois, là, on est bien parce qu'on n'a pas trop coupé la tête, on n'a pas trop coupé les pieds. Ici, ce n'est pas forcément la photo idéale. Elle marche beaucoup mieux sur un triptyque, donc en fait, avec trois écrans et non pas quatre écrans. Mais ici, c'est juste un exemple. Et en dessous, j'ai ma photo de drone aussi. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser la sélection là et je vais sélectionner toute la photo en bas, de cette première photo là, tout ce qui dépasse en dessous du trait. Et je vais utiliser ensuite l'outil gomme ici sur le côté et je vais supprimer. Tu vois, je peux faire deux partout comme ça, ça ne pose pas de problème. Ça sélectionne que ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais supprimer ça. Hop, désélectionner. Et donc là, regarde, si je monte l'opacité de celui-ci, j'ai que ma photo dans le cadre qu'on a choisi. Donc là, c'est parfait, ça déborde nulle part, c'est nickel. Celle d'en dessous, bah, même principe, je vais découper ici ce dont je n'ai pas besoin, par exemple. Je vais prendre l'outil gomme. Ah, il faut bien sélectionner aussi la bonne photo, forcément. Et je supprime. Ok, désélectionner. Je vais remonter mon opacité. Et ma photo est bonne. Donc là, tout simplement, j'ai recadré et j'ai supprimé ce qui ne m'intéressait pas. On va continuer. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser la deuxième photo avec Cookie, le Mentawai, que je vais faire glisser. Et pourquoi je vais utiliser celle-ci? Parce qu'esthétiquement, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir en fait une différence visuelle pour bien voir en fait les photos. Si j'avais utilisé les deux images chambre en haut puis les deux images drone, esthétiquement, c'est moins joli que faire une sombre, une drone claire, une sombre, une drone claire. Donc là, après, les fichiers sont à l'infini selon les photos que tu as créées. Mais voilà, tout simplement, je te montre un exemple ici. C'est plus intéressant de faire ça et je vais te montrer aussi plein d'autres exemples que j'avais fait avant et tu vas voir que c'est plus ou moins la même chose. Donc là, même principe. Donc là, moi, j'aime bien aussi les mettre dans l'ordre, hein, à droite. Opacité, on va réduire l'opacité. Comme ça, je sais où je suis. Donc là, je vois exactement au niveau du cadrage, on est pas trop mal. Je vais cadrer quelque chose comme ça. Voilà, je pense qu'on est bien. On va voir que là, ici, pareil, même principe, on va supprimer. Comme ça, c'est propre. On le fait de suite. On désélectionne. On remonte notre opacité. On est bon. On va prendre notre deuxième photo drone. On enlève le petit cadenas. On reprend l'outil pour sélectionner, faire glisser. Même principe ici, commande T sur Mac. Hop. Voilà, là, je vais descendre un petit peu. Et regarde, là, la photo, l'avantage, c'est comme on la met en dessous, elle est cachée sous l'autre et on n'a même pas besoin de la couper, on peut la décaler comme on le souhaite. Voilà. Donc là, notre photo, notre montage est prêt. Donc là, c'est une chose qu'on ne peut pas faire sur Instagram, comme tu as vu, parce qu'on ne peut faire que trois écrans. Là, voilà comment on peut réaliser quatre écrans. Et c'est exactement la même chose qu'on va faire maintenant sur Premiere Pro en vidéo. Sauf qu'au lieu de mettre des photos, on va mettre des vidéos. Et surtout, je vais te montrer ensuite comment on va l'exporter, quel format on va utiliser pour l'exporter. Donc là, maintenant, il est prêt. Fichier, exportation, exporter sous. Même principe que tout à l'heure. Donc là, cette fois-ci, on va quand même mettre la qualité maximale puisqu'on en a vraiment besoin visuellement derrière. On a les mêmes réglages, exporter. Je l'ai déjà exporté, donc je ne vais pas le faire. Mais voilà, donc là, tu as un fichier ensuite qui est prêt et que tu peux directement utiliser en story Instagram. Allez, c'est parti maintenant, on va sur Premiere Pro et je vais te montrer comment on va faire ça en vidéo. Nous voici maintenant sur Premiere Pro. Alors, mon montage est déjà tout prêt, mais t'inquiète pas, on va le reprendre de A à Z et je vais te montrer comment on va réaliser ce reel-là. Donc là, on a un reel avec 4 écrans, tout simplement, qui dure 7 secondes à peu près. Et là, si tu vois, déjà, on a un peu le même principe que je t'ai montré juste avant au niveau des couleurs. On a un plan drone qui est dans les bleus, un plan au sol qui est très vert, un plan qui est vert aussi ici, mais avec du bleu qui est toujours aussi un plan drone et un plan
vert en dessous qui est dans le même esprit que celui qui est en deuxième plan. Donc là, pareil, je n'ai pas mis les deux plans avec les fougères en haut et les deux plans drone en bas, par exemple. On a interversé pour que esthétiquement, ce soit plus intéressant et que l'œil aille un petit peu de partout. Donc ça, voilà, visuellement aussi, c'est des choses qu'il faut essayer de regarder. Là, je vais te montrer rapidement déjà aussi quelques exemples que j'ai pu faire déjà en story, tout simplement sans faire avec des vidéos, mais juste des photos. Et tu vois ici sur ces exemples-là, même principe, il y a plein de choses qui sont complètement différentes. Il y a des fois, il y a des portraits qui sont beaucoup plus serrés à certains endroits et après un plan large et un portrait beaucoup plus serré. Il y a des images où tu as du noir et blanc, de la couleur, du noir et blanc et d'autres images où tu retrouves un petit peu du sombre, du clair, du sombre, etc. Donc ça, c'est des exemples aussi que je peux te montrer et qui te permettent de t'aider pour que tu trouves après, ben, au niveau esthétique, ce que tu vas pouvoir recréer avec tes propres images pour tes stories à toi. Voilà, maintenant que je t'ai montré ça, c'est parti, on va commencer sur la partie vidéo. On va repartir de zéro. Ici, par exemple, tu vois que j'ai créé les quatre modèles que tu peux télécharger déjà. Modèle avec quatre écrans qu'on a déjà utilisés. Modèle avec cinq écrans aussi. Et le modèle avec trois écrans. Donc, et après, tu peux toi aussi maintenant créer tes propres modèles. Donc, ce qu'on va faire, on va repartir de zéro et je vais te montrer déjà montrer comment on va créer la séquence ici. Donc, dès que tu vas ouvrir Premiere Pro, ensuite, tu vas créer un projet et tu vas faire fichier, nouvelle séquence. Et là, je vais te montrer comment on va créer cette séquence. Donc là, moi, elle est déjà faite. Je l'ai appelée Story Full HD. Sinon, j'ai mon 4K ProRes 422 HQ. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour mes vidéos en 16:9 classique. Donc là, on va dans Réglages et on va créer notre séquence. Donc là, je choisis toujours dès le début Personnaliser. Ensuite, je vais mettre 25 images par seconde puisque c'est ce que j'utilise comme ratio, donc je suis à 25 images par seconde. Là, on va changer et je vais utiliser donc la taille de l'image horizontalement, comme on a vu tout à l'heure pour les stories, 1080 et verticalement 1920 pixels carrés, trame inférieure en premier, code temporel, on ne change rien ici, l'audio, on ne change pas. Ici, très important, souvent tu as ça au départ, donc tu cliques ici, tu vas te mettre en QuickTime et ici, tu vas choisir Apple ProRes 422 HQ. Ça, c'est pour vraiment la meilleure qualité. J'ai envie de dire que pour les stories, ça ne sert pas forcément à grand-chose, mais prends l'habitude de le faire toujours, sur n'importe quel projet, au moins c'est fait dans tous les cas, et ça pourra te permettre de faire tout sans aucun problème. Résolution maximale, qualité de rendu maximale. Moi, je clique sur tout, OK, j'active tout. Et là, tu peux faire aussi enregistrer ta préconfiguration, comme ça au moins, le jour où tu veux refaire une story, tu n'as pas besoin de refaire tout ça. Donc, enregistrer. Donc là, on va choisir le nom. Donc, moi, par exemple, je l'avais appelé Story Full HD. Tu mets OK. Cette préconfiguration existe déjà. Tu l'as vu juste avant, donc je ne vais pas le faire. Tout simplement, tu l'enregistres ici. OK ? Donc là, on est bon. En gros, tu as créé ta séquence qui va se retrouver comme ça, ici, avec un 16:9 inversé en vertical. Et ça va pouvoir te permettre de pouvoir créer tes stories. Maintenant, on va créer donc une story avec 4 écrans. Ça va être le même principe pour 3 ou 5 ou 100 écrans, tu fais ce que tu veux. Ici, je vais d'abord faire glisser mon modèle dans mon montage, dans ma timeline. Donc là, je vais te le mettre de côté, celui-ci, on le verra après. Hop là, comme ceci. Donc là, je vais avoir, là je vais enlever, marquer, effacer les points d'entrée et sortie. Donc là, j'ai mon modèle, tu le vois. Le but maintenant, c'est qu'on puisse mettre nos vidéos par-dessus et qu'on puisse aussi recadrer nos vidéos pour qu'elles soient parfaitement nickel, comme on l'a vu sur les stories tout à l'heure sur Photoshop. Donc là, je vais aller dans Vidéo. J'ai sélectionné quelques vidéos que j'aurais voulu utiliser pour ça, celles qu'on a vues tout à l'heure. Et on va mettre nos vidéos. Donc, première vidéo qu'on a utilisée tout à l'heure, on a mis le drone en haut. Donc, je vais mettre ma première vidéo en haut. Hop, je vais faire redescendre ça ici. Ma première vidéo drone ici et on va le faire une par une. Je double-clique sur ma vidéo, je vais la réduire, d'accord. Donc le but c'est qu'elle soit le plus proche possible ici. En haut à gauche, tu as option d'effet, donc on va pouvoir faire monter ou décaler notre vidéo. Donc là, mon but c'est de la faire monter ici. Au niveau du cadrage, là, c'est pas trop mal. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans effet à droite. Et ici, bon, il était déjà recadrage. Tu vas chercher recadrage. Tu vas faire glisser recadrage sur ta vidéo.
Et là, tu vas descendre dans Options d'effet. Là, c'est le bas qu'on va vouloir remonter pour arriver au petit trait, pour voir apparaître ce petit trait. C'est pour ça qu'on a fait ces modèles-là. Donc, on fait glisser pour pouvoir arrêter notre bas pile sur le trait. Et voilà. Donc là, on a parfaitement recadré notre première vidéo. On va faire glisser notre deuxième vidéo. Ici. Là aussi, si tu veux enlever le son, petite astuce, tu as ce petit bouton sélection liée. Tu cliques dessus. Et en fait, après, ça te permet de sélectionner que l'un ou l'autre et non pas les deux à la fois. Et là, je supprime que le son. Là, mes plans, par exemple, je les avais déjà sélectionnés exactement ce que je voulais comme morceau, hein, bien entendu. Je n'avais pas le début où je partais pas, la fin ici. J'ai bien sélectionné le bon morceau que je voulais. Maintenant, sur cette vidéo, pareil, on va double-cliquer dessus. Hop. Non, la pivote, on ne veut pas ça. On veut juste la réduire comme ceci. Je réduis ma vidéo, même principe, option d'effet. Et là, on va faire remonter notre vidéo. Là, par exemple, sur cette vidéo, tu vois, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus comme ça. Donc là, l'avantage, c'est comme elle est en dessous, elle va se cacher derrière l'autre, donc on n'a pas besoin de la couper au-dessus. Mais on va quand même y mettre un recadrage sur le bas. Ici, c'est très léger, par exemple, sur ce plan-là. Voilà, parfaitement. Maintenant, je vais utiliser mon deuxième plan drone ici. Exactement, on va faire la même chose. Hop, on regarde à peu près comme ça. Après, bon, tu peux le faire de plus en plus mieux. Hein. Tu peux prendre le temps encore plus. Là, je vais juste te montrer le principe. Au niveau du recadrage, je pense qu'on est pas mal. Déjà, sur celui-là, on a assez de chance. Tu vois, regarde le bas. Ah non, il fallait quand même pas mal monter. Voilà, parfaitement. Et notre dernier plan qu'on va mettre en bas. Hop, ici, supprimer mon son, j'en ai pas besoin. Là, mon plan, celui-là, il n'était pas assez long parce que je veux partir sur quelque chose d'à peu près voilà, de cette durée-là. Donc là, moi, je vais déjà réduire les autres. Ici, celui-là, il n'était pas assez long, mais je sais que je peux le ralentir, par exemple. Donc, je vais faire vitesse 50. Je vais ralentir ce plan-là, ça me permet d'avoir un petit peu plus de longueur. Donc, ça fonctionne très, très bien. Hop, on réduit bien parfaitement tous les plans à la même taille. On reclique sur celui-ci. Hop, s'il veut bien. Non, celui-ci. Voilà, plus ou moins. On redescend. Et ici, bah, celui-là, l'avantage, c'est qu'en bas, on n'aura pas besoin de couper. Là, ici, il est caché directement derrière. Donc, lui, il n'y aura pas trop de recadrage à faire. On est bon. Voilà, donc là, on vient de faire notre petit montage avec nos quatre plans. Ensuite, bien entendu, tu peux ajouter de la colorimétrie. Donc ici, calque d'effet. Donc là, calque d'effet. Le calque d'effet est directement à la taille de ta séquence. Tu cliques sur OK et il arrivera. Il est là. Il est déjà tout prêt. On le met à la taille de notre montage. Regarde par exemple en dessous ici, on a notre modèle. Et bien, notre modèle, on s'en fiche. On peut le supprimer ou le laisser. Dans tous les cas, on ne le voit plus. C'est caché par les plans. Donc c'est ce que je te disais. Peu importe la qualité de ce fichier-là. On s'en fiche, on ne l'utilise plus ensuite. Donc là, maintenant c'est prêt. Sur ton calque d'effet, tu peux y ajouter donc ta colorimétrie. Là, je t'ai fait toute une autre vidéo aussi où je t'explique comment je fais mes colorimétries. Donc, n'hésite pas à aller la voir. Donc là, je ne vais pas utiliser celui-là. Je vais utiliser celui-ci qui est déjà tout prêt, que j'ai fait avec mon luth à moi. Donc là, tu peux voir avant, après, avant. Après, voilà, si mes luttes t'intéressent, n'hésite pas à regarder, tu as le lien aussi en dessous sur mon site internet pour pouvoir aller prendre mes luttes. Voilà, donc là maintenant, on vient de réaliser notre montage et donc le résultat, il est là en rendu. Tout simplement, donc là, tu as un résultat d'un reel professionnel avec tes quatre images, super sympa. Là, l'avantage aussi, c'est d'essayer de donner du mouvement dans tes plans. On a des plans drone, on a un plan où j'avance, on a un plan fougère, lui, qui est plutôt statique, mais ce n'est pas très grave, ça me permet aussi de se concentrer plus sur les autres plans. Donc voilà, ici, ça fonctionne très, très bien. Maintenant, si tu veux faire la même chose sans faire plusieurs écrans, juste une seule vidéo ou plusieurs vidéos, on ne va pas faire 500 reels. Le but, c'est de te montrer comment ça fonctionne. Après, c'est à toi de faire ton montage et c'est surtout l'export après derrière qui va être intéressant. Là, on va prendre qu'une seule image, par exemple celle-ci au drone, qui fonctionne très bien puisqu'elle est assez large, il y a assez d'informations pour pouvoir l'utiliser en plein écran, même si on crop énormément dedans. On va dire qu'on va mettre voilà, plus ou moins le clocher centré comme ceci. Je vais y mettre aussi la colorimétrie qu'on a déjà utilisée. Et on a notre plan qui est plus ou moins prêt à être
à être utilisé. Donc là, regarde, ça fonctionne très bien. Notre image ici, on va ajouter un petit peu plus de calque d'effet, un peu plus longtemps. Et voilà, on va dire qu'on a notre reel qui est prêt. Bien entendu, après, il y a toute la partie musique à ajouter. Alors, tu peux déjà télécharger des musiques à l'avance et les faire ici directement sur ton montage. Donc là, c'est aussi du montage, on ne va pas voir ça, pas besoin. Ce qui est très intéressant dans les reels, c'est d'utiliser des musiques où il y a un rythme qui change rapidement, souvent surtout quand tu vas utiliser de la photo. Donc, tu vas pouvoir montrer une image, c'est souvent ce qu'on fait, une image backstage, par exemple, de toi en train de faire une photo. Et après, la musique part et boum, tu vas pouvoir montrer des images différentes. Donc là, on ne va pas le faire avec de la musique. Je vais te montrer tout simplement maintenant comment on va exporter ces reels-là. Donc là, tu as un reel tout simple avec une seule image. Là, tu as un reel avec quatre images. Et comme je t'ai montré tout à l'heure, tu peux aussi le faire avec trois images, cinq images. Il suffit tout simplement de recadrer. Plus tu utilises de frames, ben plus ça va recadrer à l'intérieur de tes images et moins tu vas avoir d'informations. Donc, je trouve que trois ou quatre vidéos, c'est le plus intéressant puisque tu as le plus d'informations dedans. Donc là, tu vas exporter ça. Faire le point d'entrée ici. Donc moi, c'est I et O sur Mac. Je vais faire commande M ou alors je vais aller dans fichier exportation média. Et là, donc, on va exporter notre reel. Au niveau déjà de la préconfiguration, j'utilise ça. Très simple, High Quality 1080 HD. Donc ici, H264, on ne touche pas. Vidéo, là, on est bon. Correspondance des sources, on clique dessus. Et donc là, ça te permet, tu vois, d'un coup, les barres noires ont disparu sur les côtés. Donc là, c'est parfait. On a bien notre fichier qui va être exporté en format vertical. Là, on ne touche pas. Progressif, personnalisé. Donc là, on est bon. Après, il y a plus de choses. Donc là, tu peux cliquer sur « Rendu à la résolution maximale » puisqu'en plus, on a fait notre rendu. Donc ça, c'est très bien. Utiliser la qualité de rendu maximale aussi. Donc ça, c'est bon. Donc là, voilà, je ne vais pas toucher d'autres choses. Au niveau de l'audio, bon, là, on n'a pas de musique, mais s'il y en avait, on est très bien aussi. On ne va rien toucher. Là, c'est parfait. Et ensuite, on va pouvoir exporter. Donc, soit tu cliques sur « Exporter » et ça l'exporte sur ton logiciel Premiere Pro directement, mais par contre, tu ne peux pas travailler sur Premiere Pro en même temps. Ou alors, tu fais « Envoyer à Media Encoder ». Et ce qui va te permettre donc d'ouvrir un autre logiciel en parallèle. Et donc, par exemple, si tu es en train de monter plusieurs stories à la fois, tu peux commencer à exporter des stories tout en continuant à travailler sur ton logiciel. Donc là, je vais mettre « Play », OK. Donc là, tu vois bien, la story s'exporte et tu peux retourner quand même sur Premiere Pro en même temps et continuer à travailler dessus, alors que si tu avais fait un export direct sur Premiere Pro, ça t'aurait bloqué ton montage. Bon, là, on est sur un fichier qui est tellement court que tu vas l'exporter en moins d'une minute à peu près, selon ton ordinateur, etc. Voilà, en tout cas, maintenant, tu sais comment réaliser ce type de reel et que tu peux utiliser pour Instagram. Autre chose aussi, si tu ne veux pas forcément passer par le logiciel Premiere Pro, un ordinateur pour faire tes montages de story ou de reel tout simplement, tu as deux applications mobiles qui sont à la base gratuites et peut-être payantes selon les fonctionnalités. C'est CapCut et InShot, donc n'hésite pas à aller les regarder. Je ne vais pas te faire de tuto sur comment les utiliser, mais en les téléchargeant, tu vas voir que c'est assez ludique, c'est très très simple. Tu vas importer tes images, les mettre à la suite, importer une musique, tu vas pouvoir créer des effets, pas mal de choses. Donc l'avantage de ces applications-là, c'est que tu vas pouvoir utiliser en fait les tendances qui existent dans les changements d'image, par exemple entre des photos, tu as les photos qui passent un peu comme ça, qui vont trembler, qui vont pivoter, etc. Enfin, il y a plein de choses assez sympas à faire. Donc, n'hésite pas à aller regarder ces deux applications. Et une chose aussi, c'est que tu peux utiliser l'application Reel, tout simplement, qu'il y a dans Instagram pour pouvoir faire tes montages. Et moi, personnellement, c'est ce que j'utilise très, très souvent pour faire des choses très basiques, très simples. Et je vais te montrer un petit peu comment on va faire ça. Ici, tu vas aller directement donc, dans Instagram. Tu vas pouvoir créer un Reel. Donc, ça, je pense que tu sais comment faire. Sinon, c'est en haut à droite, plus créer un Reel. Moi, je vais te montrer déjà des Reels qui sont enregistrés pour te montrer comment j'ai fait ces montages-là. Deux types de montage. Par exemple, ici, c'est un montage où j'utilise souvent un plan backstage où je suis en train de faire une photo et après, boum, quelques petites photos. D'accord ? Donc, très, très simple. Ici, je vais éditer et je vais te montrer. Le but aussi, c'est forcément de choisir une musique qui fonctionne très, très bien. Donc là, on peut voir ici. Boum. La musique part et après, j'ai mes images. Donc, je vais te montrer comment on va faire rapidement ce petit montage-là. Faire plus, reel. Donc, je vais créer mon reel. Je vais
en bas à gauche pour pouvoir importer une vidéo, peu importe la vidéo qu'on va importer. Donc, je vais essayer de choisir quand même ce qu'on avait fait avec les Mentawai pour pouvoir recréer quelque chose. Donc là, j'importe ma première vidéo, je l'ajoute. Là, je vais réduire un petit peu en bas parce que je n'ai pas besoin d'un truc trop long. Ajouter, j'ai ma première vidéo. Et maintenant, plus, et je vais ajouter tout simplement les photos que j'ai faites. Alors, on va ajouter cette photo. Si la photo, elle n'est pas à la taille totalement, tu appuies sur Scale ici, échelle. Hop, elle s'agrandit. Là, tu vas aussi choisir la durée de ta photo. Donc, par exemple, on va commencer par une photo, on va la mettre à 2 secondes, plus ou moins. Je vais ajouter une autre photo. Pareil, je vais la remettre à la dimension. Je vais la mettre aussi à 2 secondes, plus ou moins, voilà, hop. Et maintenant, je vais devoir ajouter une musique. Donc, je vais aller dans Audio, ici. Là, tu peux directement chercher des musiques ou alors dans Saved aussi. Moi, je sauvegarde des musiques qui me plaisent que je vais pouvoir utiliser. Donc là, peu importe un petit peu ce que je vais utiliser, je ne sais pas. Donc, je vais écouter. Ça, c'est très bien. Regarde, ça fonctionne bien. On ajoute. Ok, on va à Preview. Donc là, tu attends Edit Clip. Donc là, maintenant, tu sais que la vidéo a dit « Je suis un photographe et j'ai pris cette photo. » Clac ! Donc au moment du clac, on va devoir mettre la photo. Donc là, tout simplement, ici, je vais écouter et je vais changer la durée de mon premier clip jusqu'à ce que ça s'arrête au bon moment. C'est du montage. Là, je crois que j'ai un peu de chance. Parfait. Donc, tu vois, par exemple. Voilà. Next. Suivant, tu rajoutes ton texte que tu veux écrire, etc. Tu peux taguer forcément des gens ici, ajouter une localisation et partager. Donc là aussi, tu peux choisir une couverture après. Edit couverture. Donc, soit tu vas la chercher directement ici, soit tu peux ajouter une photo, une autre photo que tu peux avoir dans ton téléphone. Moi, par exemple, j'aime bien, je vais mettre celle-ci. Profile Grind en haut à droite aussi. Là, c'est bien parce que tu vas pouvoir recadrer un petit peu ta photo pour montrer comment elle va apparaître sur ton fil Instagram. Donc, ça, c'est assez cool. OK. Et après, soit tu sauvegardes ton montage pour pouvoir le partager plus tard, soit tu le partages immédiatement. Voilà, tout simplement. Donc là, tu sais en fait en quelques secondes comment réaliser un reel pour tout simplement tes réseaux sociaux. Donc j'espère que toute cette vidéo t'aura plu. Je t'ai montré comment le faire sur Premiere Pro, rapidement le faire sur Instagram. Je t'ai montré comment créer les modèles, etc. Tu as tout, n'oublie pas, tu peux télécharger les modèles. Si tu veux aller plus loin dans la photo, la vidéo aussi, n'oublie pas, tu as mes formations. Il y a plus de 3000 élèves qui ont mes formations, des centaines d'entre eux ont déjà réussi à en faire leur métier. J'ai que des retours fantastiques. Tu as toutes les infos ici. C'est une formation aussi 100% finançable avec le CPF. Donc, n'hésite pas à en profiter. Et si tu hésites encore, tu as aussi 20 vidéos offertes plus une formation smartphone en dessous qui est totalement gratuite où je t'explique beaucoup de choses, comment aussi choisir ton matériel photo, vidéo. Il y a tout un dossier pour choisir ton matériel, plein de choses. Donc, voilà. Avant de te lancer dans la grosse formation aussi, n'hésite pas à regarder ça ou alors si tu es prêt, lance-toi dans la formation ou autre. Merci à toi et je te donne rendez-vous la prochaine. N'hésite pas aussi à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et ciao.